Papa,
Avec beaucoup d'attention les cantiques. Après quoi nous allons écouter la parole du Seigneur. And afterward we will listen to the word of God. Bye.
Tu es le seul et véritable Dieu. We are saying that you are the true God. Tu sais que ce matin, sans toi, nous sommes rien. Knowing that this morning without you, we are nothing. Nous voulons que tu nous parles. We want you to speak to us. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Nous avons ici. We have so prayed. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus Christ. I'm greeting you all in the name of the Lord Jesus Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Also greeting the beloved following us all over the world. Très aimé parce que le Seigneur nous a fait grâce. Happy because the Lord has graced us. Il a permis par sa souveraineté que nous soyons là. He has allowed in his sovereignty for us to be here. Comme je vous ai toujours dit que chaque jour devant le Seigneur c'est pour notre bien. As I always said to you that every day in God's presence it's for our good. Et nous croyons qu'aujourd'hui c'est encore pour notre bien. And we believe this morning is once again for our good. Daniel chapitre 39. We are in the book of Daniel chapter 9. Nous commençons la lecture à partir du premier jusqu'au troisième verset. Reading from verse 1 until verse 3. La première année de Darius, fils d'Assyrius, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéen. In the first year of Darius, the son of Assyrius, of the lineage of the Medes, who was made king over the realm of the Chaldeans. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the numbers of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet, that he will accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Then I set my face towards the Lord God to make a request by prayer and supplications, with fasting, sackcloth and ashes. Verset 23. We jump to verse 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. At the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener à la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. Verse 24. 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring an everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 le 9e verset, nous lisons. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Second book of Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning his promise, and some count slackness, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. I want the Lord to add explanation to the reading of the Scriptures. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. May the Lord add explanation to the reading of the Scriptures. Le bien-aimé Paul, dans son temps, a vu ses jours et il a exhorté les saints à ces termes. And brother Paul, in his days, knew of this day, and he exhorted the saints in these terms. Dans des temps de la fin. In last days, les choses deviendront difficiles. Things are going to be difficult. Les gens deviendront des ingrats. People are going to be ungrateful. Insensibles. Les gens vont aimer plus le plaisir que la parole. People will be mostly lovers of pleasure than lovers of the word. Bref, nous vivons l'accomplissement de toutes ces choses. In brief, today we are living the fulfillment of all these things. Un temps très difficile. A peril time. Où pour rester dans la présence du Seigneur, il faut se discipliner. Where to remain in the God's presence, you need to discipline yourself. Distractions partout. Distractions everywhere. Pornographie partout. Pornography everywhere. Même si on veut faire la publicité de quelque chose, on met des femmes nues. Even if it's an advertisement of something like a drink, they still put a naked woman. Quelle génération? What kind of generation? Oui, tout cela c'est la folie. All that is foolishness. Le monde semble expliquer les choses aujourd'hui. The world tends to explain things today. Il y a des sciences qui naissent, qui semblent expliquer. There are ideology and science that are born today, tending to explain the realities of the world. Les déclarations de ces grands de ce monde prouvent que réellement il y a de la folie. The declarations of the great men of this world shows that indeed it is foolishness. Le monde vit dans la terreur. The world is living in terror. Il y a des grands qui font sortir leurs bombes pour dire que dans deux minutes ils peuvent effacer la terre comme s'ils étaient les créateurs de la terre. There are great men of this world that are bringing out the missile and bombs, saying that in 2 minutes I can destroy, vanish the entire world. Les églises se remplissent, mais quelle insensibilité! The churches are filled with people, but what insensibility! Le mal s'accroît. And the evil is increasing. Même parmi les gens qui prient. Even among those who are praying. Il n'y a pas la vie de Dieu. There is no life of God. Mais les gens écoutent. But people are listening. Tout cela. All that. Ça prouve que nous sommes au temps de la fin. Shows that we are in the end of time. Mais j'aime le Seigneur. But I love the Lord. Parce que dans tout le temps. Because in all times. Il a toujours préparé un peuple. He has always prepared a people. Qui ne sera jamais séduit, quelle que soit la séduction. That will never be deceived, regardless of the level of seduction. Dieu a toujours un peuple. God always loves a people. Et ce matin, je suis venu m'adresser à ce peuple que Dieu a gardé depuis tout le temps. And this morning, I came to speak to the people that God has kept since the beginning of time. Je me souviens d'un homme Nabal, fort, puissant, riche. I remember a man called Nabal, powerful, wealthy. Quelle folie! What foolishness! À cause de sa richesse. Because of his wealth. Mais merci Seigneur. But thank Lord. Dans cette maison. In that house of Nabal. Il y avait une femme. There was a woman. Qui comprenait. Who understood. La porte de David. The report of David. Nabal n'a pas compris. Nabal did not understand. Que s'il a toutes ses richesses. If he has all this wealth and riches. Un homme David. A man David. Était la muraille. Was the wall. C'est ça le monde aujourd'hui ne reconnaît pas. And this is the world today cannot acknowledge. Que tout ce qu'il a. That everything they have. Il y a un créateur. There is a creator of it. Le monde ne reconnaît pas. And the world does not acknowledge. L'argent qu'il a. The money it has. Les enfants. The children. Richesse. The wealth. Tout ce que vous avez. All that you have. Le mouvement. The movement. L'être. The being. Souffle. Your breath. La force. The strength. L'intelligence. The intelligence. Appartient à un créateur. Belongs to a creator. Mais je veux voir la femme de Nabal parmi nous.
But I want to see the woman of Nabal in our midst. Bien qu'elle habite dans la maison d'un homme fort. Although she dwells in the house of a foolish man. Mais elle reconnaissait. But she acknowledged l'origine de toutes choses. The origin of everything. Tu peux reconnaître Dieu, tu peux reconnaître Dieu. Can you acknowledge God this morning? Parce que tout ce que nous avons vient de lui. Because everything that we have comes from him. Quand David s'est levé pour juger, when David stood to judge, Abigail est sortie pour arrêter la colère. Abigail came out to stop the anger of David. Elle reconnaissait Dieu comme l'origine de toutes choses. Because she acknowledged God as the origin of everything. Je veux m'adresser aux gens qui peuvent reconnaître que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. I want to speak to people who can acknowledge that everything they have comes from God. Et devant le jugement, and before judgment, David ne fera pas périr cette femme. David will not perish that woman. Parce qu'elle a compris. Because she understood le message de Dieu. The message of God. Voilà mon exhortation. This is my exhortation. Je veux que le Seigneur fasse sortir des femmes Abigail qui comprennent que tout ce que nous avons vient de lui. I want the Lord to bring in our midst women like Abigail who understand that everything they have comes from him. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Nous voulons vous enseigner les 70 semaines. We want to teach you about the 70 weeks. C'est quoi? What is it? Aujourd'hui, vous qui êtes venus ce matin, vous êtes heureux parce que je vais expliquer l'origine des 70 semaines. Those of you that came here this morning, you are blessed. Because today I'm going to explain the origin of the 70 weeks. Et même pour les gens qui me suivent, ça sera une bénédiction parce que vous allez comprendre d'où viennent les 70 semaines. Even those following me live are going to be blessed because you are going to understand when comes the 70 weeks. Prophète Jaoli, tu veux nous enseigner 70 semaines, pourquoi? Why, prophets, do you want to start or teach us the 70 weeks? Et 70 semaines signifie quoi? And what is the meaning of the 70 weeks? C'est comme une école, ça sera très simple. It's like a school, it's going to be very simple. Je vais simplifier, tout le monde comprendra par la grâce du Seigneur. I'm going to simplify and everyone is going to understand by the grace of the Lord. C'est un temps. The 70 weeks is a time. Calendrier. A calendar. Fixé par Dieu. That has been fixed by God. Retenez. Please remember. Dieu n'est pas dans le temps. God is not in time. Je prends ça comme le temps. I'm taking it as a time. Dieu est hors le temps. But God is beyond the time. Mais quand il entre dans le temps, but when he enters in time, il respecte le temps. He respects the time. Et il finit le temps. And he finishes the pour time. Pour rentrer dans l'éternité. To go back into eternity. C'est-à-dire que quand Dieu entre dans le temps, meaning when God enters in time, il respecte son temps. He respects his own time. Si vous me comprenez ce matin, vous serez bienheureux dans votre vie chrétienne. If you understand me this morning, you're going to be blessed in your Christian life. Ce qui a fait que les gens se refroidissent dans la vie chrétienne, what has made the people to grow cold in Christian life? C'est parce que nous voulons marcher avec Dieu comme c'est une autre pensée. Alors que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il y a un temps que lui-même fixe. It's because we want to walk with God according to our own thoughts and perception. Meanwhile, God, when he calls someone, he has already a time that he has set. Pourquoi les gens sont jaloux? Why people are jealous? Pourquoi des divisions? Why division? Pourquoi la haine? Why hatred? Pourquoi des troubles? Why troubles? C'est parce que les gens ignorent la notion du temps. It's because the people are ignorant of the of the level of time. Je vais te rappeler que Dieu a un temps qu'il a fixé pour toi. I want to remind you that God has a time that he has set for you. N'envie personne. Envy nobody. Ne jalousez personne. Have jealousy of nobody. Dieu a un temps qu'il a fixé. God has a time that he has set. Mais nous échouons beaucoup, c'est parce que quand nous entrons, quand nous voulons marcher avec Dieu, nous voulons que Dieu marche dans le temps que nous avons placé, alors que tu es appelé à comprendre Dieu et marcher dans son temps. We are failing today because when we are coming to God, we want God to do things according to our time. Meanwhile, you are called to respect and to follow God's time.
Je veux être pasteur. I want to be a pastor. Prophète. Prophet. Docteur. Teacher. Évangéliste. Evangelist. Apôtre. Apostle. Parce qu'un peut prendre cinq. Because one can be five. David ramassa cinq pierres, mais il s'est servi d'une seule pierre. Or, une seule pierre jouait aussi le rôle de cinq. Amen. Because David, when he went to the brook, he picked five stones, but only made use of one, and that one represented the five. C'est-à-dire, le temps que Dieu a fixé pour ma vie, c'est pas ce qu'il a fixé pour l'apôtre. The time that God has set for my life is not the one that He has set for the apostle. Il a appelé Abraham. He called Abraham. Il avait 75 ans. And Abraham was 75 years when he was called. Il a commencé avec Isaac. He started with Isaac. 60 ans. When Isaac was 60 years old. Il a marché avec Noé. He walked with Noah. Quand il avait 600 ans. Vous voyez? When he was 600 years. Faut pas demander à Dieu. Do not ask to God. Pourquoi Abraham? Why Abraham? 75 ans. 75 years. Pourquoi Noé? Why Noah? 600 ans. 600 years. Cela dépend de Dieu. That depends on God. Et quand Noé sort, and when Noah comes out, le signe de l'alliance, the sign of the covenant, l'arc-en-ciel, it was the rainbow. Quelle gloire! What the glory! Mais pour Abraham, but for Abraham, c'est la circoncision. It's circumcision. Ne te compare pas. Do not compare yourself. Chacun a son appel. Each one has his calling. Chacun a son temps. Each one has his time set. J'aime pas donner trop de témoignages dans mes enseignements. I don't love to give so many testimonies in my teachings. Il y a des choses quand vous vous forcez, there are things when vous jeûnez, ça ne vient pas. You fast and does not come. Reste calme. Remain calm. Persévère. Persevere. Attends le temps de Dieu. Wait for God's time. Le temps de Dieu, c'est pas ton temps. And God's time is not your time. Il a un calendrier. He has a calendar. Même ce monde que vous voyez, even this world that you are seeing, a un calendrier fixé par Dieu. Has a calendar set by God. Abraham fait l'appel dans 75 ans. Abraham called, I mean God calls him at the age of 75 years. Dans 100 ans, Dieu veut accomplir la parole. And at the age of 100 years, God comes to fulfill the promise. Il a attendu 24 ans. He had to wait for 24 years. Pour que Dieu vienne confirmer sa promesse. For God to come and confirm his promise. Israël a fait 400 ans. And Israel spent 400 years. You can stop fasting when it's 380. You can fast or pray at the age of 380. But when God's time comes, tu comprendras que tes efforts ne servent à rien. Tu restes le maître des temps. You're going to understand that your effort serves to nothing. God is the master of time. Je vais vous faire entrer dans ce calendrier pour que chacun de nous comprenne la pensée de Dieu qu'il a cachée dans le chiffre dans nos vies. I want to make you enter this calendar for you, for each one of us to understand the time that God has set for each one. Il pouvait aussi dire en un seul jour. He could say in one day. Que le ciel soit, que la terre, mais il a attendu les sept jours pour accomplir sa pensée. Attends bien. Comprends le temps de Dieu, c'est pour ton bien. Même si tu cries, même si tu gênes, même si tu pleures, même si tu vois rien, est-ce que tu peux faire confiance à un Dieu qui entre ses mains, c'est un bon papa, même s'il patiente, c'est pour ton bien. Est-ce que tu crois ce message? God could use one single day for him to create everything in the days of creation. But he waited for 7 years, for 7 days for him to fulfill everything. Therefore, on your time, you need to understand God's time and wait for Him. Even when things are not going well, even when you are crying, you need to be patient and persevere. God has everything in control. Peut-être le mardi, je vais donner le pourquoi de tous ces chiffres. Mais aujourd'hui, je pars seulement à l'origine et j'aimerais que vous me suivez très bien. Maybe on Tuesday, I'm going to give the meaning of all the numbers. But today, I'm simply going to the origin of the 70 weeks. Mais écoutez, un jour, quelqu'un a semé. Le bleu. One day someone went and sowed wheat. Mais la nuit, but in the evening, son or at night, est venu semer l'ivraie. His enemy came and sowed tares. Il a semé l'ivraie quand? When did he sow tares? Quand les gens dormaient. When people were sleeping. Dans l'ignorance. In ignorance. Le jour suivant, and the next day, the following day, les serviteurs sont allés vérifier dans les champs. And the servants went to check the field. Ils ont vu le blé qui poussait. They saw the wheat that was growing.
Ils ont remarqué aussi l'ivrée. But they also saw tears on the other side. Pressés pour dire. And they were so rushing to say. Qu'on arrache aussi l'ivrée. Let us pluck out the tears. Le maître a dit non. And the master said no. Laissez-les croître. Let them all grow together. Why? Et voyez l'extérieur. They were seeing the outside. Mais le propriétaire voyait l'intérieur. But the owner was seeing the inside. Avant que vous voyez l'élévation de l'extérieur. Before you see the upliftment of the outside. Entrez aussi à l'intérieur. Also enter within. Quelqu'un a dit. Someone said. Il y a des gens qui ont prêché dans des forêts. Quand vous le voyez élevé, avant de les taxer comme les magiciens, il faut vérifier l'intérieur. Ce que Dieu a fait. Et nous négligeons beaucoup les sous. Les gens veulent apparaître. Les gens veulent imiter, mais ils ne comprennent pas le temps que Dieu prend pour préparer son serviteur, pour préparer sa fille, pour préparer son fils. Vous m'entendez? Le temps, c'est le temps de la préparation. Ne sois pas pressé. Dieu sait que tu es encore faible. Dieu sait que tu es encore orgueilleux. S'il te donne $1 million aujourd'hui, tu vas devenir polygame. Voilà pourquoi il te prépare petit à petit. Est-ce que tu peux nous faire confiance? Someone is saying that people are rushing to go preaching overseas. Meanwhile, in the villages, their souls dying. But the same person today, he went to stay, to reside in the overseas. But therefore, when you are looking at some preachers, they went to preach in the forest. They went to preach in the villages. And today, their lives have been uplifted. When you look at those people, do not call them magicians. You need to check within and understand the deep. To understand, because people are rushing to look at the outside appearance, ignoring what is within. Therefore, God knows what is preparing within you for you to be a complete servant, a complete man of God. Because He knows that if you receive money today, you're going to become a polygam. If you receive money today, you're going to backslide. Therefore, God is taking time to train you. Shalom. 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 On peut commencer, je crois. Can we carry on? Alors, suivez-moi. Now follow me. 70 semaines. 70 weeks. Ce ne sont pas des semaines, jours. Are not weeks of days. Ce sont des semaines d'années. But weeks of years. On commence l'école là-bas. Je veux faire une petite école et vous prêcher. That's where our school begins. We're going to study a bit and then preach to you. Je vous en prie. I beg you. Écrivez Ézéchiel chapitre 4 verset 6. Faut pas lire ça. Ézéchiel chapitre 4 verset 6. You don't have to write just, I mean to read, but you can simply write Ézéchiel 4 chapter verse, I mean chapter 4 verse 6. Je vais expliquer ça dans Lévitique chapitre 12, 1 jusqu'au 5e verset. Suivez-moi. Si, explain it in the book of Leviticus 12, 1 to 5. Si une maman me demande un enfant mâle. If a mother gives birth to a male child, elle restera dans la maison durant pendant 33 jours. She's going to remain in the house for 33 days. Après 33 jours, and after 33 days, elle est purifiée. She is purified. Les 33 jours. The 33 days. Ézéchiel chapitre 4 verset 6 dit, je te pose un jour pour une année. Ezekiel 4 verse 6 comes to say that I'm giving you one day for a year. Je pose à frère Jeudi dans la question. I'm going to ask Brother Jed the question. Pourquoi Israël a fait 40 ans dans le désert? Why Israel spent 40 years in the wilderness? Pourquoi? Why? Parce qu'ils étaient incrédules, non? Because they were unbelieving. Alors les espions aller-retour quand Josué les a envoyés, ils ont fait combien de jours? And the spies when Joshua sent them, how many days did they spend? Les espions ont fait combien de jours? 30. Saint, les espions ont fait combien de jours? Aller-retour, ils ont fait combien de jours? How many days the spies spent when they went to explore Canaan? Assemblée de saints, il faut combattre dans les Écritures, hein? Non seulement dans la Révélation. Assemblée de saints, you need to fight in the Scriptures. Les espions ont fait 40 jours. The spies spent. Aller-retour, ils ont fait 40 jours. On the way back, they spent 40
days. Maintenant Dieu dit. Now God says. Parce qu'ils ont mis 40 jours. Because they spend the 40 days. Vous aussi Israël. You as well Israel. Vous allez faire 40 ans. You're going to spend the 40 years. Donc Dieu prend un jour pour une année. Therefore God takes one day for a year. Okay. Okay. C'est-à-dire, that is to say, l'enfant qui va purifier la mère à 33 jours, the child who's going to purify or cleanse the mother at the day 33, n'était que l'ombre, was only a shadow. Quand le Seigneur Jésus-Christ est né, but when the Lord Jesus Christ was born, après 33 ans, after 33 years, il rentre au ciel, he goes back into heaven, et la mère est purifiée, and the mother is purified or cleansed. D'accord. Okay. Hey, souvenir. Are we Je following? Vous ai dit que c'est une école et ça sera très simple. I said to you that this is a school and it's going to be very simple. Si prophète Jaoli vous dit qu'une année, un jour est égal à une année. If prophet you said to us that one day is equal to one year. Ça dit une semaine est égal à combien? Which means one week is equal to what? Une semaine est égal à combien? One week is equal to what? 7 ans. To 7 years. Donc 70 semaines. Therefore, 70 weeks. Nous allons prendre. We're going to take 70. We're going to take 70 fois 7 ans. Times 70. Qui vont faire 490 ans. Which makes 490. C'est-à-dire yes. 70 semaines. Which means 70 weeks. 70 semaines que nous voulons étudier. The 70 weeks that we want to c'est study. 490 ans. It's 490 years. Est-ce que monsieur bien? Are you following? C'est très simple. It's very simple. Ici, je répète seulement l'écriture. Here until now, I'm simply repeating the scriptures. Maintenant, d'où viennent les 70 semaines? But where does the 70 weeks come? Pourquoi devons-nous étudier cela? And why should we study about them? Je rappelle que toute écriture est inspirée de Dieu. I'm going to remind you that all scriptures are inspired by God. Ceux qui étaient ici le jeudi, those that were here on Thursday, je fais une petite exhortation. I made a short exhortation. Jésus-Christ dit quoi? Jesus Christ says what? Je suis le chemin. I'm the way. Après le chemin? And after the way. Hein? After the way, et? The truth, est-ce Jésus and life. Est-ce Jésus Christ dit je suis la vie? Does Jesus say I'm la the vérité, life? Le chemin? The truth non. And the way. No. Il dit pas ça. Il dit Jésus. Jesus said that he says le chemin. I'm the way. Après le chemin, il dit pas way, la vie. Hein? He does not say il the dit life. La vérité. He says the truth et la vie. And life. C'est-à-dire quand vous entrez sur le chemin. Meaning when you enter the way. Dans le chemin, in the way, vous allez découvrir la vérité. You're going to discover the et truth, à la fin, and at the end, vous aurez la vie. You're going to receive life. Ça dit dans l'enseignement quand nous entrons. Meaning in the teaching when we enter. L'enseignement c'est le chemin. The teaching is the way. Et sur ce chemin, in that way, nous aurons la vérité. We're going to receive the et truth, la vie c'est à la fin. And life at the end. Maintenant 70 semaines. Vient tout. And now the 70 weeks comes way. Et ça signifie quoi? And what is the meaning of it? Écrivez rapidement. Now please write quickly. 70 semaines égale. 70 weeks equals. Daniel chapitre 9. Daniel chapter 9. Verset 23, 25. Verse 23-25. C'est le temps fixé par Dieu. That's the time fixed by God. 1. First, pour mettre fin au péché, to put an end to sins. C'est-à-dire Dieu a fixé un temps. Meaning God has set a time pour mettre fin au péché, to put an end to sin. Expier l'iniquité, to cleanse iniquity. Amener la justice éternelle, to bring eternal righteousness. Sceller la vision et les prophètes, to seal the vision and the prophets. Oindre saint des saints, to anoint the most holy. C'est-à-dire quoi? What does it mean? Les 70 semaines que nous voulons étudier, the 70 weeks that we want to study, c'est un temps fixé par Dieu, is a time set by God, pour mettre fin au péché, to put an end to sin. Vous avez retenu ça? Have you kept that? Vous avez retenu ça? Have you kept that? Papa, effacez un peu rapidement ici. Effacez rapidement comme ça. J'explique l'origine. L'origine, parce qu'aujourd'hui, je suis venu seulement expliquer l'origine.
Today I simply came to explain the origin. J'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Ça sera très simple. Ça And sera I want you to follow me carefully because it's going to be very simple. Je vais le simplifier. Alors suivez-moi. It's going to be very simple. 70 semaines. Aujourd'hui, today, Prophet John Willy, tu nous expliques quoi? Prophet John Willy, what are you explaining to us? L'origine de 70 semaines. The origin of the 70 weeks. Ça vient d'où? Where does it come from? Regardez au tableau. Now look on the board. 70 semaines, 70 weeks est la réponse, is the answer, de 70 ans, of 70 years, 70 ans, 70 years. Écrivez ceci. Please write this. Deuxième chronique, second book of Chronicles, chapitre 36, chapter 36, verset 22, 23, verse 22, 23. Deuxième Chronique, chapitre 36, verset 22-23. Second book of Chronicles, chapter 22-23. 22-23. Ça vient de quoi? Where does it Ça come from? Ça signifie quoi? What is the meaning of it? Daniel 9-1-2. On reprend. Daniel 9-1-2. On reprend rapidement. Let's repeat with Daniel 9. La première année de Darius, fils d'Assyrius, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the lineage of the Medes, who was made king over the realm of the Chaldeans. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qu'il devrait s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Attends. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the numbers of the years specified by the word of the Lord through prophet Jeremiah the prophet. Suivez-moi, c'est vrai, parce que ça sera ma prédication d'aujourd'hui là. Please follow me carefully because that's where the preaching of today will be made. Je veux que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Je veux que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Suivez-moi. Follow me. Nous avons Daniel comme prophète. We have Daniel as a prophet. Il était à Babylone. He was in Babylon. Il a lu un jour. He read one day. Le livre du prophète Jérémie. Ça sera ma prédication. The book of prophet Jeremiah. That's my preaching. Le prophète. The prophet. Lit le livre. Reads the book. C'est-à-dire le prophète. Meaning the prophet. Ne donne pas l'inspiration de lui-même. Does not give his own inspiration. Mais l'inspiration doit se référer à ce qui est écrit. But the inspiration is to refer to what was written. Quand on dit que le prophète a créé des écureuils. When they said that the prophet created the squirrels, j'ai dit à Dr. Jason, I said to teacher Jason, je suis allé aux États-Unis, I went to the United States, j'ai vu les écureuils qui marchaient comme ça, dit, oh, mais il a créé les écureuils, c'est-à-dire que les écureuils se promènent comme ça, les écureuils se promènent comme ça. Mais créer les écureuils, ça se trouve où? Donc, quand un prophète prophétise, nous devons vérifier ça, si c'est écrit où? Parce que Dieu lui-même respecte les écritures. I went to the United States and I saw squirrels running around. And I said, where did this man create the squirrel? Because when God creates something, I mean, when a prophet comes with an inspiration, we need to check and see where that is written. Même l'ange Gabriel dit à Joseph, even the angel Gabriel said to Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Do not fear to take Mary as your wife. Elle deviendra enceinte. She will become selon qu'il est écrit. Where is it is written? Même les anges respectent les écritures. Even the angels respect the scriptures. Amen. Alors si un homme ne respecte pas les écritures, now if a man does not respect the scriptures, c'est un homme dangereux. That's a dangerous man. Voilà pourquoi bien-aimé Paul dit. Therefore, brother Paul même says, si un ange descend du ciel, even if an angel descends from heaven, même si un ange nous allons le rejeter, alors toi et non. Now even if it's an angel we're going to reject you, how much more you and human being? Quelqu'un m'a dit, bon, Dieu m'a donné la vision, mon s'appellera ministère de David. Mais comment? Parce que les Paul n'ont pas donné le nom aux églises. Maintenant, quelle est cette inspiration qui te pousse de changer le nom de l'église? Parce que l'église, c'est la femme d'autrui. On ne peut pas changer le nom de la femme d'autrui. Si tu changes le nom, elle n'est plus la femme de ce monsieur-là. Someone came to me and said, no, God gave me the inspiration to build the church and to name it so and so. I said, where is that inspiration coming from? Because even the Pauls, when they preach, they did not give names to the churches because the church is someone's wife. The moment you change someone's wife, that wife is not the wife of the person anymore. She has changed.
Notre évangile donne l'origine. Now our gospel gives the origin. Vous êtes? Amen. Are you there? 70 semaines vient de 70 ans. 70 weeks comes from 70 years. 70 ans vient de tout. And where does the 70 years come from? Parce que je vous explique l'origine. Because I'm explaining to you first the origin. Lévitique chapitre 26. Là on lit, évangéliste on lit. There we're going to read the book of Leviticus. Lévitique chapitre 26 verset 34 et 35. Leviticus 26, 34 and 35. Oui. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Voilà. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Voilà. Then the land shall enjoy its sabbath as long as it lies desolate and you are in your enemy's land. Then the land shall rest and enjoy its sabbath. Retournez dans 2 Chroniques 36, 22. Go back to 2 Chronicles 26. Ne vous en faites pas. Une petite école et je vais vous prêcher. Allons-y. La première année de Cyrus, roi des Perses. 2 Chroniques, chapitre 36. Yeah. Verset 22. 22. Allons-y. Allez-y. C'est ça. La première année de Cyrus, roi de Perse. Oui. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Oui. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qu'il fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Oui. Traduis rapidement. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel est Dieu des cieux. Tu t'arrêtes même là-bas. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying, cette parole s'est accomplie pourquoi? Verset 21. Why this scripture was fulfilled? Verse 22, 21. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposera tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Merci. To fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah. Until the land that enjoyed a Sabbath, as long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill the 70 years. Alors suivez-moi, je vous en prie. Now follow me, I beg you. D'où vient les 70 semaines? Where does the 70 weeks come from? Ça vient des 70 ans. It comes from the 70 years. D'où vient les 70 ans? And where does the 70 years come from? Dieu, quand il a créé, when God created, premier jour, first day, deuxième, second, troisième, quatrième, cinquième, fourth, sixième, fifth, septième jour, Dieu se reposa. On the seventh day, God rested. Il appela ça sabbat. And he called the seventh day sabbath. Je suis dans Genèse 1, 2. I'm in the book of Genesis 2, 1, 2. Dieu se repose le jour du sabbat. And God rest on the day of the sabbath. Dans Exode 20. Now in Exodus 20. Ce sabbat devient maintenant le repos pour l'homme. Becomes this Sabbath becomes the rest for men. Parce que Dieu s'est reposé. Because God rested, il demande maintenant à l'homme aussi de se reposer le septième jour. He's also asking the man to rest on the seventh day. Donc celui qui ne se repose pas le septième jour, now the person who does not rest on the seventh day, désobéit à l'Éternel. Disobey the Lord. Vous me suivez bien? Are you following me carefully? Il sort le septième jour. He comes on the seventh day. Il dit la septième année. He says the seventh year. Vous n'allez pas. You shall not cultivate. C'est-à-dire la terre produira la semence. Meaning the land will produce its seed. La septième année. On the seventh year. Donc vous n'allez pas travailler la septième année. But you shall not work on the seventh Dieu year. Dieu prend le sabbat du jour. God takes the sabbath of the year. Ça devient le sabbat d'année. Becomes the sabbath of the year. Et la septième année. And on the seventh year. Dieu dit ceci. God says this. Vous n'allez pas travailler. You shall not work on the seventh vous mangerez ce que la terre produira d'elle-même. You shall eat of what the land will produce of its own. Je vais expliquer ça terre à terre. I will explain it clearly. Si vous avez semé première année, if you sow deuxième, the first year, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième année, on the seventh year, ne rentrez plus dans les champs. Do not go back into the field. Parce que la septième année, because on the seventh year, les étrangers viendront manger. The foreigners shall come and eat. Les bêtes de champs viendront manger. The beasts of the field shall come and eat. Même les pauvres de ton peuple. Even the poor of the land ira manger. Shall go and eat. C'est-à-dire la septième année, meaning the seventh year, c'est le repos. Is the rest. C'est aussi la
devient l'année becomes the year où les pauvres d'Israël devaient manger. Had to eat. Qui est le pauvre en Israël? Now, who's the poor in Israel? Celui qui rejette la loi is the one who rejects the law. Et qui croit que and believes that dans sa pauvreté in his poverty, la richesse. There is wealth. C'est-à-dire, septième année, the seventh year, c'était aussi le sabbat. Was also a sabbath. Maintenant, Dieu dit, now God says, Israël, Israel, si vous n'obéissez pas le sabbat, if you do not obey the sabbath, je vais vous chasser. I shall cast you out. Ok? 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 Sabbat d'année, c'est combien d'années? The sabbath of year, what? 7 ans. Is 7 years. Parce que Israël n'a pas obéi le sabbat. And because Israel did not obey or respect the Sabbath. Dieu les chasse hors d'Israël. God cast them out. Ils partent dans le pays étranger. They go to a foreign land. Voilà ce que Dieu fait. And this is what God does. Dieu prend le sabbat. God takes the Sabbath. Il le multiplie par 10. He multiplies it by 10. Ça devient 70 ans. It becomes 70 years. 70 ans veut dire quoi? 70 years means Dieu a multiplié le repos. God has multiplied the number of rest. Parce que vous n'avez pas écouté la loi de Dieu. Because you did not obey the law of God. Dieu va vous punir fois 10. God is going to punish you 10 times. Parce que le chiffre 10 ici c'est le preuve. Because the number 10 is the number of trials. Jacob dit ceci. Jacob says this. Tu as multiplié. You have multiplied. Tu as changé 10 fois mon salaire. You have changed 10 times my wages. Et Apocalypse 2 dit. And Revelation 2 says. La tribulation de 10 jours. That they shall have tribulation for 10 days. C'est-à-dire que Dieu multiplie les 7 ans fois 10. Meaning God multiplied the 7 years. Ça devient 70 ans. And therefore it makes 70 years. Maintenant les 70 ans ici. Now these 70 years. C'est le temps où Israël. Is the time whereby Israel. Doit se mener dans Babylon. Has to dwell in Babylon. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu ici? Are the people of God here? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu parmi nous? Is there a child of God in our midst? Dieu peut permettre l'esclavagisme. God may allow slavery. Mais avec un temps limité. But with a set time. Dieu peut permettre les épreuves. God may allow trials. Mais à un temps limité. But with a limited time. Maintenant, Jérémie a dit ceci. Now Jeremiah said this. Quand Dieu va vous chasser. When God is going to cast you out. Vous allez souffrir là-bas. You shall suffer there. Durant 70 ans. For the time of 70 years. C'est le temps fixé par Dieu. That was the time set by God. Donc avant ce temps. Before this time. Même si vous gênez. Even though you can vous fast. Vous priez. You pray. Dieu ne va pas vous retourner dans votre héritage passé. Il faut que les 70 ans s'accomplissent. God shall not make you return into your inheritance until the 70 years are fulfilled. Mais ce que j'aime chez Dieu, but what I love with God, même s'il frappe, even though he may strike, il a toujours le temps de restaurer. He always have time to restore. Il ne frappe pas comme le monde frappe. He does not strike the way the world strikes. S'il frappe, if he strikes, il a toujours un temps. He always have a time où il a préparé pour la restauration. Where he prepares the restorations. Suivez, suivez. Now follow. Parce que je cherche seulement l'origine et je vais vous prêcher. I'm only seeking for the origin, then I'm going to preach to you. C'est-à-dire que les 7 ans ici. These 7 years. Et multiplié par 10, ça devient 70 ans. I think multiplied by 10 becomes 70 years. Maintenant, quand les 70 ans furent accomplis. But when the 70 years expires. Daniel a commencé à prier. Daniel started to pray. Dieu sait que tu avais prévu. God, what you pray, you preview. Arrive à sa fin. Has come to its maintenant, nous voulons retourner dans notre pays. Now we want to go back into our land. La réponse de Dieu, c'est quoi? Now, what is the answer of God? Daniel. Daniel. 70 semaines ont été fixées. 70 weeks have been set. J'ai dit 70 semaines, c'est combien d'années? I said 70 weeks are. Combien d'années? How many years? 490. 490. Ça dit, tu as fait ça. Which means God regardez is, ce qu'il a fait. This is what God, il a pris le 7 ans de sabbat. He took the 7 years of sabbat. Il a multiplié par 10. He multiplied by 10. Ça fait combien? How much is this? Ça fait combien? How much is this? 70. It makes 70. Mais pour le pardon, il fait quoi? But for the forgiveness, il what does he do? He takes the 70. Il le multiplie par 7. He multiplies it ça devient 490. It becomes the 490. Matthieu 18. Matthew 28. I mean 18, sorry. Ça sera très simple. Matthew 18. Vous allez comprendre ça.
It's going to be simple and you're going to understand. Ça sera très simple. Very simple. Évangéliste, prenez Matthieu. We are in the book of Matthew. Prenez Matthieu chapitre 18. Matthew chapter 18. Verset 21. Verse 21. Jusqu'au 22e verset. Allons-y. 2:22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Hein? Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times. Ça dit, si quelqu'un a péché une fois. Meaning if someone sins. Frère Pierre dit quoi? Brother Peter says what? Je pardonnerai à mon frère 7 fois. Il fait quoi? Shall I forgive him for 7? Il multiplie ça par 7, non? In other words, he multiplied by 7. Jésus-Christ dit quoi? Jesus says what? Jésus lui dit. Hein? Je te dis pas jusqu'à 7 fois. Hein? Mais jusqu'à 7 fois. Ah, attends. I do say up to 7 times. Qu'est-ce qu'il a fait, évangéliste? Il prend les 7. Il a parlé. He takes the seven that the il multiplie ça par 10. He multiplied by 10. Ça fait 70 fois. It becomes 70. 70 fois 7. Fois 7. Ça nous amène à combien? 400. C'est-à-dire les 400 maintenant, c'est le don parfait. In other words, the 490 is the perfect. Ah, c'est-à-dire si je prends le pardon de Jésus, if I take the forgiveness of Jesus, pourquoi Saint Pierre dit, why Peter says, pardonnerai-je à mon frère 7 fois? Shall I forgive 7 times? Parce que Lévitique avait dit, because Lévitique has said, quand vous allez pécher, when you shall sin, je vais vous châtier 7 fois. I'm going to chastise you 7 times for pardon. Maintenant il dit, then he says, si mon frère a péché, my brother sinned, pardonnerai-je à mon frère 7 fois? Shall I forgive my brother up to 7 times? Jésus-Christ prophétise, il dit non. J'ai dit pas 7 fois. J'ai dit 70. Vous verrez 70. Il multiplie les 7 fois 10. Il multiplie les 7 times 10. Oui, okay. Donc quand il multiplie par 10, c'est-à-dire, le pardon sort d'Israël, ça part chez le païen. Goes to the et ça va retourner à Israël. And shall return to Israel. Amen. Là, là, ça, il a même coulé rébellé. Let me make bon, glory, quand vous glory. Allez marcher, que les gens comprennent réellement que ce sont les filles du roi. Let me cloth you with a garment of many colors, so that when you are walking, people will understand that you are signs of the king. Parce qu'on reconnaît la fille du roi. The daughter of the king, par le vêtement de plusieurs couleurs. By the garments of many colors. Jacob, il est un. Is one. En Israël. In Israel. Quand il arrive en Égypte, when he arrives in Israel, à sa mort, by his death, on le plaint. They mourn for combien him. De jours? How many days? Combien de jours? How many days? Combien de jours? How many days? 70 jours. 70 days. Pourquoi? Why? Parce qu'en Israël, Israel, on le pleurera 7 jours. They're going to mourn for him only 7 days. Donc, un Jacob, one Jacob en Israël, in Israel, il devient 10. He becomes 10. Quand il retourne ici, when he returns, il devient 1. He returns 1. Zacharie 8, 23 dit, Zechariah 8, 23 says, 10 hommes de toutes les nations, 10 men of all nations saisiront un Juif. Will take one Jew. Que Jésus-Christ, Jesus Christ, comme le chandelier en Israël, in Israel, il est un. Is one. Parce que dans le tabernacle, les étrangers ne viendront jamais. Mais quand Salomon construit le temple, il ne voit pas seulement Israël. Il dit, Seigneur, si un étranger vient dans ce lieu, c'est-à-dire le temple, ce n'est plus le tabernacle. Lui, il y avait un seul chandelier. Mais dans le temple, il y a aussi les étrangers. Un chandelier est multiplié par 10. Voilà pourquoi le royaume des cieux est semblable aux 10 vierges. C'est-à-dire ici chez nous, les païens, le pardon devient fois 10. Forgiveness becomes mais quand ça retourne en Israël, on le multiplie par 7. We multiply it by 7. Et c'est ça le pardon complet. And that is the complete forgiveness. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord
Christus avait compris que we then understood les 70 semaines, the 70 weeks, c'est la réponse de 70 ans. Is the answer to the 70 years. 70 ans, and the 70 years, c'est le temps de la souffrance. Is the time of suffering. C'est le temps où Dieu a châtié. Is the time when God les 70 died. Semaines. C'est le temps de la réparation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre ici? Is there someone suffering here? Il n'y a pas seulement le temps de la souffrance. There's not only time for suffering. Dieu a fixé aussi le temps de la réparation. God has set also time for reparation. Il y a quelqu'un qui n'a plus d'espérance ici? Is there someone without the hope? Je dis qu'il n'y a pas seulement le temps de la souffrance. I'm saying that there is not only time for suffering. Quand Dieu blesse, when God wounds, lui-même est guéri. He comes to heal. Donc 70 semaines, the 70 weeks, nous donne le plan de la rédemption. Gives us the plan of redemption. Nous donne le plan. C'est-à-dire Dieu est venu répondre à l'injustice, au péché, à la désobéissance des peuples. God has come in the 70 weeks to respond to the disobedience of a people. Maintenant, je vais vous prêcher dans quelques minutes. Now I'm going to preach you for a few minutes. Ça, j'ai répété les Écritures. Because this is only the repetition of the scriptures. Je vais vous prêcher. And I did some schools, now I'm going to preach. Daniel 9, nous sommes toujours là. We go back to Daniel 9. Premier, troisième. 1, 2, 3. Allons-y. La première année de Darius, fils d'Assyrius, de la race de Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens. In the first year of Darius, son of Assyrius, of the lineage of the Medes, who was made king over the realm of the Chaldeans. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet, that he will accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la somme. Non. Then I set my face towards the Lord God to make requests for prayer and supplications. We fasted, sackcloth and ashes. Si le prédicateur, if the preachers, les frères et sœurs, brothers and sisters, des assemblées de saints peuvent m'écouter partout dans le monde, of the assembly of saints may listen to me all over the world, qu'ils attendent ce message. They may listen to this message. Cela veut dire quoi? What is the meaning of this? Vous êtes? Are you there? Vous y êtes? Are you there? Attends. Disons-nous comme les hommes. Let us speak in the manner of men. Quand Dieu dit que les 70 ans seront accomplis, when God said that the 70 weeks shall be fulfilled, on arrive à 70 ans. And we arrive in the 70 years. Qu'est-ce que nous allons dire? What must we say? Seigneur, Lord, maintenant c'est le temps. Now is the time. Tu avais promis que nous allons souffrir. You promised that we're going to suffer. 70 ans est arrivé. Now 70 years has been fulfilled. Souviens-toi de ta promesse. Remember about your promise. Et nous pouvons même chanter. We can even sing. S'il vous plaît, suivez-moi. Please, I beg you follow me. Quand les 70 ans s'accomplissent, when the 70 years are fulfilled, Dieu fait quoi? What God does? Hein? First, pour ceux qui écrivent, for those who are writing, Dieu fait tomber Babylone. God brings down Babylon. Dieu suscite Cyrus. And God raises up Cyrus. Genèse chapitre 44 verset 1 2 plutôt. Ésaïe 44 verset 1 2. Ésaïe 45 verset 1 2 virgule 22 23. Ça dit Dieu suscite Cyrus. God raises Cyrus. Avant que Israël aille dans la déportation, Dieu avait déjà préparé. Qui devait les délivrer? Before Israel goes into deportation or being taken to deportation, God already prepared who is going to deliver them. Let me speak about it. Avant Israël back in the 70 ans, nous avons le bac déjà carotine dans Cyrus pour délivrer Bango. Before Israel goes into deportation in captivity, God already spoke that he's going to send Cyrus to deliver them. Donc avant la côte dans la Boumbu, before them going into Zambé a préparé déjà pour te délivrer dans la Boumbu. God already prepared the person who's going to set me free from that captivity. Avant la côte dans la Bitumba, before I enter Zambé a déjà pour te délivrer dans la Bitumba. God already sent the person who's going to deliver me from that battle. Oh
calendrier qui te condamne. What a good calendar like this one. To work with God is very good. Although I can enter before God already sets the person that is going to redeem me from those sufferings. Even when I'm lacking words, even when suffering is beyond, when I look at this calendar, je dans la foi. I'm going to walk up with faith. Je souffre. I'm suffering. Mais avant cette souffrance, but before this suffering, Dieu a déjà préparé. God already prepared. Joseph a régné. Joseph reigned avant d'entrer dans la prison. Before he entered, Joseph a régné. Joseph avant reigned qu'il soit haï par ses frères. Dieu a préparé Cyrus avant les 70 ans. Before being lied about, before going into jail, before being sent, being sold or hated by the brothers, God already prepared your upliftment. The same way God already prepared Cyrus for the deliverance of his people. Qu'est-ce qui a été fait? What happened? Moi j'aime Dieu. I love God. J'aime Dieu. I love God. Quand il accomplit sa promesse, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Même tes ennemis vont te servir si la promesse de Dieu s'accomplit pour ta vie. The scripture says that everything works for the good of those who love God. Even your enemies are going to align when it's God's fulfillment of the promise. Do you know the person who said that Israel shall return? Is the person who cast Daniel into the lion den. But when the God's promise is going to work for ta cause, because rien ne peut arrêter le promesse de Dieu pour moi. The winds that are going to come together to work on your behalf. Because nothing can hinder God's promise on your life. Je veux que vous entrez dans la pensée de Dieu. Je veux que vous entrez dans les temps de Dieu. Que rien ne peut vous arrêter. Ce qui me fait de la joie, Serge, tu sais, quand Joseph est jeté dans le puits, le texte dit l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire le puits n'a pas empêché l'Éternel d'être avec Joseph. Tant que je suis là, je suis à Potiphar. Dieu peut permettre que ma cause selon ma cambo, mais à côté caillote, quel que soit ma cambo, parce que Fabi Tumba a préparé déjà ma réponse. C'est ça le Dieu de la Bible. I want you to come out of your imagination and into God's mind. Because when Joseph was being cast into the empty pit, the scripture says that God was with him. Even when the wife of Potiphar was lying about him, God was still was with him. Vous savez ce qui a été fait? You know what happened? 70 ans arrive. 70 years arrives. Ce verset là, and that verse, on l'a répété beaucoup. They repeated it so many Cyrus times. Se lève. Cyrus stood. Si j'étais là, je pouvais donner l'explication que je donne maintenant. If I was there, I would have given the explanation that I'm giving right now. Quelle explication que je donne maintenant? And what the Nabucodonosor. Nebuchadnezzar. Tu avais vu l'or. You saw the gold. C'est toi. It's you. Mais après toi, but after tu as vu l'argent. You saw silver. Daniel s'est arrêté seulement à dire que Daniel only stopped by saying l'argent là, that silver, c'est le royaume qui viendra après toi. Kingdom that shall come after you. Mais moi je dis à Nabucodonosor, l'argent là, silver, c'est la rédemption. Is the redemption. Parce que chaque planche du tabernacle devait avoir la base d'argent. Parce que ça l'argent, because we found silver, on vend la terre à Katia Desert. Voilà pourquoi, reason why, si je peux monter quelques degrés, je dirai. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas voulu monter de degrés. Je dirais ceci. Quand on pose à Aka la question, Aka, c'est toi. It's you. Qui a fait qu'on n'avance pas? Who made us to be defeated by Aka? Donne gloire à Dieu. Give glory to God. Comment monter? Parce que si nous voulons avancer, après ça, le souk'emboy. How come the person who made you donner gloire à Dieu, give glory again, ouvre la bouche, to give glory to God, open your mouth, reveal what you have hidden. Et Aka dit, and I can't say, je vis, I saw, le manteau de chimère. Je vis, I saw, l'or,
je vais cacher dans ma tente. Et quand on va dans la tente, on trouve le vêtement, l'or, sur l'argent. Donc l'argent, c'était la base. C'était le fondement. C'est-à-dire dans la maison de Dieu, le fondement, c'est l'argent. C'est-à-dire un homme qui veut monter à la croix, donner sa vie comme l'argent, qui répond à tout. L'argent qui répond à tout, c'est la rédemption de Christ à la croix de Golgotha. C'est là où nous sommes passés. Donc Dieu montre que après Babylone qui est l'or, deviendra l'argent. Et quand l'or passe, l'argent passe. Silver passe. Qu'est-ce qui reste? What remains? Qu'est-ce qui reste? What remains? Les reins et le fer. Non. Ah, brass and iron. I told you let ascend. You cannot. So let's go. C'est-à-dire en réalité, in reality, on pouvait seulement monter que they could only show that quand les 70 ans arrivent, when the 70 arrives, do you know what happened? Quand les 70 ans arrivent, when the 70 years arrive, Babylone tombe. Babylon is collapsed. Babylon tombe. There's a downfall of Cyrus se lève. And then Cyrus is il dit, allez. He says, go back. Reconstruisez le temple. Go back and rebuild the temple. Ce qui a été détruit what was destroyed dans les 70 ans in the 70 years est reconstruit par Cyrus been rebuilt by et par la chute de Babylon. After the downfall c'est à Babylon, cet temps-là in that moment, que Daniel, I cannot preach about it before the Daniel a l'active à sac. Daniel was cloth in ashes. I mean in sackcloth. Daniel a dit quoi à one beside. Place ta bande au sang. Daniel was king way. Where was his duty? Tomate moi de gré mukerik. Let us say some degree. Daniel a zana palais royal. Daniel was in the palace of the king. Jérémie a tikali na Israël. And Jeremiah remains in Israel. Ezekiel a zana vallée. Ezekiel is in the valley. En même temps. In the same time. Donc il est à la fois. He's at the same time. Le prophète devant le roi. The prophet before the king. Il est le prophète dans la vallée. He's the prophet in the valley. Il est le prophète en Israël. He's also the prophet in Israel. You're going to get it. Quand Moïse a vu. When Moses took. À quel n'a pas ancien pour ma prophétiser. To go with the elders so that they may prophesy. Moïse a je vais descendre jusqu'au séjour de mort. Oh, quand il parle de séjour de mort, il ne savait pas que le séjour de mort, c'est l'Égypte où je vais faire en train d'expliquer le message. Exactement pour vous faire comprendre que quand la maison, when the house, va finir la moindre parole, va mon azoba nini azu bi lo pa papa a ken amo foolish child basi antumba the antumba bazo adore mo amo in at the same time the prostitute are worshiping this oh mo bali ki toko azu no so ya tata a e bo pe sa tu so basi antumba voilà pourquoi le père prophétise mon fils qui était mort il est revenu à la vie. C'est-à-dire que la prophétie, the
prophecy ne s'arrête pas seulement ici, does not only stop here, dans la vallée, but also in the valley. Voilà pourquoi cet Ézéchiel, toi qui t'es descendant maintenant. Voilà pourquoi c'était maintenant c'est Daniel qui est dans le palais royal. Quand les 70 ans arrivent, il prend le sac, il porte ça. Comment toi qui es dans le palais, tu vas prendre le sac? C'est-à-dire, du fort qu'il était, il devient serviteur. Il devient intercesseur. Quelle bonne nouvelle! What a good news. À la manière des hommes, je dirais, quelle coïncidence! In the man of men, I'll say, what a coincidence. Les 70 ans s'accomplissent. Toi, roi, you king, tu deviens serviteur. You become servant, tu deviens intercesseur. You become intercessor. Oui! Yes. Quand la promesse de Dieu s'accomplit, when God's promise Dieu devient serviteur God de sa promesse. Becomes the servant of his promise. Il dit notre guette. When God says to you, brother René, that he's going to do something, he is the king. Mais but when the time arrives, the one who is king becomes a servant for his word. Il devient serviteur. He becomes a servant de sa propre parole. Of his own word. C'est ce qu'il peut faire ici. And this is what God is doing. Daniel prend le sac. Daniel takes the sackcloth. Et sa prière était comment? And how was his prayer? Let me end here so that we may pray. Toyokana, toyokana. Let us Serge agree. Yoka. Yes, prophet. Promesse kokito sam de l'année. The promises fulfilled. Merci. What are we going to pray? No, Babylon. Because these Babylonians have played with us. You see, God, because you have fulfilled your promise. Let them speak again. God, Daniel did not say Daniel that. Promesse koki. Daniel, the promise fulfilled. He took sackcloth and said, Lord, we did not fear you. Biso. Us. Nabatata na biso. With our fathers. Toloka kiyote. Did not listen to you. Tala bato ya so. Look, we are shocked. Promesse pour qui me yazo mi kitisa. The promise is for la grâce de Dieu nous pousse à nous effacer. The grace of God pushes. Celui qui comprend la grâce ne se glorifie pas. The one who understands. Celui qui comprend la grâce ne se frappe pas la poitrine. The one who understands the grace does not boast. Bien. Oh, you preach well. Il est bon, 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 il est même si Dieu te lève, ce n'est pas de nous humilier encore. Pour toi encore grâce devant le Seigneur. Il y a des choses qui nous dépassent. Donc quand la promesse s'accomplit, Daniel s'humilie encore. Daniel humble himself even more. Mais quand Jésus-Christ est venu, when Jesus Christ came, c'était le temps de l'accomplissement des promesses. It was the time of the fulfillment of the promises. Mais comment est-ce qu'il a vécu? But how did he live? Dans l'humilité. In humility. Et c'est ça, mon tout, mon zamba, qui s'y la canne à quatre naïfs. Avec ta tolote, mais qui t'a les sous-sous. Alors, ma bien zambé, God has fulfilled his promise. Let him not boast. Nazu banaoi. But humble himself, say, Lord, I pray that I got this children. Nasambe laki. I humble myself. Nasi class. I pray that Nazu banaoi. 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 Est-ce que les gens qui veulent vous voir s'il y a comme ça, de ne pas se frapper la poitrine, mais de comprendre de tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. On n'a rien mérité. Finira l'orgueil. Finira la jalousie. Finira le trouble. Là, nous allons comprendre que quand Dieu accomplit sa promesse, c'est l'état de nos idées. It's time for us to humble ourselves. Alors, quand on s'humilie, and when we humble Dieu ourselves, se révèle encore davantage. Then God will reveal himself even more in nous our lives. Nous avons vu des gens. We have seen people. Abandonné à bien. He was preaching well. À qui en France a zongi boy. He goes to France and comes back. Ouais, c'est même la Bible. This one touches his the Bible. C'est même le mouchoir. This one touches the handkerchief. Non, pour qu'à dire mon lungi, ils sont à Paris. Mon toi, c'est à Paris quand il y a moi pas. Ils sont à Paris. Like this.
Donc quand Dieu accomplit ses promesses, promise, il faut s'humilier. You need to humble il faut s'effacer. You need to tu trouveras encore grâce. To find even more que grace. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Est-ce que vous avez compris les 70 semaines? Have you understood the origin of the 70 weeks? Je ne l'ai pas encore expliqué. I have not explained j'ai donné l'idée I've given the idea de l'origine des 70 semaines. And the origin of the 70 weeks. Grâce à vos prières. And grace to your prayers. Si Dieu nous donne la force le mardi, if God gives us strength on Tuesday, on va maintenant prendre les 70 semaines là. We're going to take the 70 weeks. Commencer à les diviser. And start to split it apart. Qu'est-ce qui est caché dans les 70 semaines? And what are hidden in the 70 mais weeks? Aujourd'hui, but for today, c'était une introduction pour que vous ayez l'idée de l'origine. It was only an introduction for you to have an idea of the origin. Est-ce qu'on peut faire la prière comme la sœur Anne? Can we make a prayer like Sister Anne? La promesse accomplie. The prayer being fulfilled. Elle persévérait dans le jeûne. But she persevered in fasting. Oui, bien sûr, bien sûr. You know Jesus. En tout cas. Sora za rapenda le lona Cape Town ngala rosa pasteur tena ke vanda kana eglise na yo kahai. If today he was in Cape Town, I wouldn't be a pastor, but go and sit on his church. It is Mazalia. And fortunately, he is here. This one here also was a follower to listen to him. Yo moni muntu asali benda miracle lesi batu. Have you seen someone who made a miracle? A miracle and fed the people. And then to flee away. When people were looking for him to praise him, he fled, he ran away. But us, just perform a miracle, you see. You see someone the next day, yes, trust him. You know, Jesus, he healed someone, he says, keep quiet, don't say si to anyone. Comprends ce que Dieu fait dans ta vie, tu vas t'effacer. If you understand what God is doing in your life, you're going to erase yourself. Et tu trouveras encore grâce. Then you're going to find more grace. Nous pouvons prier. We may pray. Levez-vous, s'il vous plaît. Please stand on your feet. Chacun de nous va prier. Each one of us is now going to selon pray. Ce que Dieu lui a parlé. According to what God has demandez spoken la grâce et la faveur de Dieu. Asking for grace and favor of the Lord. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Prions le Seigneur. Let us pray the Lord. Heavenly Father, to you we give grace. To you, Heavenly Father, Lord, we say thank you for the message, Almighty God, that you have given us on this day, on which, Almighty God, you have shown us, O Father, the value of the work that you have come to accomplish on the cross, Heavenly Father. You know that, Heavenly Father, Lord, to bring the complete forgiveness of sins. How wonderful you are, Lord, to care, to love us so much, O Father. In the point of giving your life for us, O Father. Oh Lord Jesus, Almighty God, you have exalted us, Heavenly Father, on this day. On now, O Father, when we see your promises being fulfilled, we should humble ourselves, also that we may find more grace. Heavenly Father, how can I deny? How can I, Heavenly Father, be ignorant, O Father, of all the wonders, of all the goodness, of all the mighty things, O Father, which you are accomplishing and doing in my life? Heavenly Father, I am nothing. I do not deserve not even the least of your blessings. So I come this morning to praise your name. I come this morning, Almighty God, to raise myself, O Father. Instead of boasting, Almighty God, Lord, I come, Almighty God, to humble myself, acknowledging, O Father, that everything I have comes from you. As the scripture testifies, that the man can only receive what is given to him from heaven. Be blessed and be glorified. Oh Father, you have, Almighty God, denied so many what you have given to me. Prions, Seigneur, de t'accorder la force. You need to pray the Lord to give me strength. To humble yourselves once again before the Lord. Que Dieu t'accorde son amour divin. May God grant you His divine love. Il te baptise du Saint-Esprit. May He baptize you of the Holy Spirit. Pour que tu sois capable de vivre de sa mort. That you may be capable to live His word. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus Christ. Heavenly Father, to you we come, O Father, Lord, this morning. For the scripture says, without you, O Father,